Bonjour à tous, et bien aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de cette lunchbox électrique. Et oui, comme en ces temps de Covid, les micro-ondes ont été supprimés des espaces de travail, et bien il a fallu trouver une solution, et donc voici ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire que cela permet de réchauffer ses plats au travail sans micro-ondes. Donc cette lunchbox est normalement réservée aux voyageurs, puisqu'il y a une prise allume-cigare. Mais moi, je vais m'en servir pour mon travail. Alors voilà de quoi est-ce qu'elle se compose. Donc, nous avons les couverts ici qui sont fournis, une fourchette et une cuillère. Le couvercle fermé par trois attaches. Et donc, la manière dont il est possible de remplir le récipient. Donc, toute cette partie peut être, on peut déposer les plats et les chauffer. Il suffit ensuite de déposer le plat dans la coupole, de le brancher et ça va chauffer tout doucement le plat, ça va le réchauffer. Hein. Je pense qu'on aura quelque chose de tiède, mais ça va permettre de réchauffer le plat que je vais pouvoir apporter à mon travail. Donc une fois que le plat est déposé dans la coupole, on rebranche les attaches, l'alimentation se branche ici. Grâce à cette prise là, donc celle-ci en met deux, c'est pour les deux de ce côté là, ou alors on peut brancher l'allume-cigare qui est fourni avec sur les deux d'à côté. Il suffit de déposer son plat à l'intérieur, d'attendre et le tour est joué, le plat est chaud. Alors du coup je viens de brancher l'appareil, on voit bien que le voyant lumineux s'allume, du coup il est 11h30 et on va voir d'ici 30 minutes ce que ça va donner. Donc je le referme. Normalement en temps de chauffe il faut le fermer et il faut enlever le petit bouchon pour que la vapeur puisse sortir, et du coup je vous reprends dans 30 minutes. Voilà, donc là il est midi, nous allons voir comment ça se passe. Hop. Du coup, je touche. Alors l'appareil est chaud. Hein. Hop. Donc en 30 minutes, voilà, on est arrivé à une température chaude. Pas très chaud, mais suffisant pour manger confortablement. Et du coup, ça va être très bon. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. J'espère que cela vous aura donné des idées et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.